Allez, installe-toi. Bonjour à et tous. Et bonjour tout le monde. J'ai mis le masque parce que je suis en face, hein, comme on est à moins d'un mètre, du coup... Ouais, alors je suis désolé, j'aurais dû faire costume, cravate et tout rasé pour ce tour parce que c'est au-dessus du panier celui-là. Et ça c'est un petit clin d'œil pour Dominique de Strasbourg qui nous a appelé la semaine dernière, qui nous a dit les petits gars, parce qu'il nous appelle comme ça. Là vous êtes allé fort parce qu'il a acheté les derniers impensables, hein, le 53. C'est vrai qu'ils sont bons, les derniers sont exceptionnels. Il a dit là pour aller plus haut ça sera dur. Eh ben voilà Dominique, il est là. Et tu vas te régaler. Parce qu'on essaye de trouver à chaque fois des tours complètement différents des autres. Donc, explication de ce truc, ce que tu vas faire, tout ça. Donc là, c'est un de David qui t'a fait par téléphone, là. C'est celui de David, ouais, qui m'a appelé, qui l'a fait par téléphone. Que je t'ai entendu dire, oh putain, c'est génial. Ouais, alors rien. Hop là. Il y a du matériel. Ah. Quand tu auras fini tout ce que je te dis, parce que je vais être retourné, comme je peux pas savoir ce que tu fais... Tu m'appelles. D'accord. D'accord. Alors, tu prends le jeu, tu l'ouvres et tu m'écoutes. Alors, pour le public, je ne vois absolument rien. Je suis complètement retourné, pas de caméra, pas de complice, rien. Et c'est parti pour un tour. Jérôme, est-ce que tu es prêt? Tu as sorti le jeu? Oui. Tu le mélanges, déjà. Là, ça démarre très fort parce que le jeu est mélangé. Il n'y a pas d'arrangement, ça c'est fort. Ça me plaît quand c'est comme ça. On est bon, là? Attends, hein. Comme il est entièrement neuf, je sais pas s'il a été. C'est bon. Pour enlever les cartes. Tu les mélanges. Ah oui. Tu peux les regarder si tu veux, c'est un jeu normal. Ouais, non, ça va, ouais. Non, mais c'est comme il est neuf de chez neuf, je j'ai enlevé les jokers qui sont là sur le côté. Ok, c'est bon. Tu vas me faire 4 tas. 1, 2, 3, 4. 4 tas sur la table. Voilà, tu coupes ce jeu en 4 fois. Okay. Et normalement, ou alors c'est une chance, tu n'as pas le même nombre de cartes. Non, visuellement, je n'ai pas le même nombre de cartes. Donc, ça, c'est sûr. Voilà. Tu choisis le paquet que tu veux. Un peu plus grand, un peu plus moyen, un peu plus gros, un peu plus petit. Celui que tu veux, ouais. Tu les mélanges. Okay. Et après, pendant que tu es bien retourné, j'ai essayé de parler pour pas entendre, tu vas compter le nombre de cartes à la caméra, comme ça tout le monde peut participer. D'accord. Et une fois que tu as compté, imagine, il y en a 11. Ouais. Tu additionnes les dizaines et les unités, ça fait 2. Ça fait 2. Et tu regardes la deuxième en partant du dessus, et tu la remets à sa place. Ok, donc là, je les compte. Tu les comptes, moi en je montrant. Chante. Alléluia, je sais pas ce que je peux chanter. Ok, donc ça fait ça, du coup. C'est bon, tu as montré. T'as et je regarde la carte donc dans ce rang-là. Allez, c'est bon. Donc la carte, c'est... C'est celle-là, c'est bon. Tu l'as celle-ci. Vu, pipa, pouf. Ok. Retiens-la. Ouais, c'est je l'ai retenu. Je sais que t'as pas de mémoire, c'est bon? Ouais, je sais. Tu reposes. Ok. Je ne peux pas connaître le nombre de cartes. Je ne peux pas connaître non. Donc la carte où elle est. Non. Et je ne peux pas savoir lequel des 4 paquets ouais, tu as pris. Ça, tu peux, on va dire. Ouais, je vois vraiment pas. Donc oui, mais bon, même de toute manière. Imagine qu'il y a un mur là, donc je peux pas voir. De... Donc d'accord. Tu prends un autre tas maintenant, celui que tu veux. Ok. Tu mélanges, tout. Ok. Mais j'avoue que je peux pas connaître le nombre, pas connaître la carte. C'est pas possible. Ok. Tu fais la même chose, tu comptes le nombre de cartes. D'accord. Tu regardes la carte en partant du dessus, tu refermes et tu la montres à la caméra et tu la retiens. Donc du coup, bah, ça fait ça. Ta-ta-ta, c'est et bon. C'est celle-ci. Eh ben, au moins, comme ça, ce sera facile à se rappeler. Donc là, je ne okay. sais pas lequel des 4 t'as pris. Je ne sais pas le nombre de cartes, je ne sais pas où sont tes cartes, je ne sais pas les cartes que tu as choisies. Je suis d'accord. Tu prends les deux autres paquets qui restent. Ok. Tu les mélanges. Ensemble. Ensemble. D'accord. Et tu coupes et tu mets un tas d'un côté, un tas de l'autre sur les tas qui restent sur la table. Je coupe n'importe où, je mets un tas là, un tas là. Voilà. Ok. C'est bon. Donc là, c'est balèze. Ça commence à monter l'histoire. Parce que là, je ne sais plus où elles sont tes cartes. Je suis entièrement d'accord. Je sais qu'il y en a une dans le paquet droit, une dans le paquet gauche. Tout à fait. Tu prends n'importe quel paquet que tu mets face en l'air. Ok. Et les deux, tu les mélanges en queue d'arôme pour mélanger une partie face en l'air, une partie face en bas. D'accord, voilà, c'est balèze. On est bon? On est bon. Et quand t'as fini, ben, tu me préviens. Ah! Donc là, ça veut dire que je peux me retourner. Et je ne pourrais... Si je me retourne, là, on ne sait jamais, bah, vaut mieux que tu me le dises. Je peux connaître quelque chose si non. Je me retourne, je ne peux rien savoir. Ah. Les deux cartes, je ne peux pas les connaître. Absolument pas. Et je ne sais pas où elles sont. Non, là, c'est pas non, possible. Je me retourne. J'avoue que c'est pas possible. Ah. Alors.
Petite. Ça, c'est pour tout à l'heure, regarde. Un petit pendule. Tu sais pourquoi j'ai sorti ça? Non. Parce que c'est ni un tour de carte, ni un, pas un tour de carte, c'est ni un tour automatique, ni un tour mathématique, ni un tour avec des arrangements, ni un tour de manipulation. Je sais rien du tout. Manipulation, c'est sûr. Je peux pas savoir. Mathématiques, là, je vois pas ce que tu vas faire parce que c'est sûr que c'est complètement aléatoire ce que j'ai fait. Et automatique, si c'est automatique, je veux bien voir la suite. Donc, ben donc il me reste qu'une solution. C'est miraculeux. Non, c'est le... On va voir ce qui va se passer. C'est d'évoquer les esprits, c'est un tour paranormal. D'accord. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que moi, je peux faire... Le paranormal, il existe que dans... pour ceux qui le croient. D'accord. C'est exactement comme ça. Donc si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Et moi, j'y crois. Et je vais me faire aider, donc c'est pour ça que tout seul, j'y arriverai pas. Il y a quand même un gimmick. Mais c'est un gimmick qu'on voit, c'est pas un gimmick caché, c'est mon pendule. C'est parti? Ouais. Alors tu vas prendre... est-ce que tu as coupé? Non. Alors vas-y, coupe, pardon. Vas-y, coupe comme ça. Voilà. C'est bon? Et tu m'étales le jeu comme ça, bien propre. C'est pour ça que j'ai pris un grand tapis. De là jusqu'à là. Je vais passer le pendule sur le jeu et c'est lui qui va me dire les cartes que tu as choisies. C'est bon? Alors. Mais c'est sûr que j'avoue que si tu la trouves comme ça, c'est fort. Je sais pas pourquoi. Alors regarde, tu vois, je bouge même pas. Il hésite entre deux cartes, mais je vois que c'est plus la dame de cœur que le... Tu vois, je suis bien au niveau de la dame de cœur, là. Ah ben, je vois ça, oui. Ouais. Bon, alors moi, je vois. Dame de cœur. Oui, aussi, je la vois. Est-ce que c'est une de tes cartes? C'est une de mes cartes. Effectivement, c'est une de mes cartes. C'est fort. Voilà, public, on continue? J'avoue, c'est balèze. Alors, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre le pendule et c'est toi qui vas le faire. D'accord. Et tu vas doucement et tu laisses faire les choses. Normalement, tu devrais sentir un truc. Ouais. Mais normalement. Voilà, doucement, tu prends ton temps. On passe? Oui, dans l'autre sens. Ah, tu sens? Ah, reviens en arrière. Regarde. Tu sens? Tu sens ou pas? Tu sens qu'il y a eu un truc là? Ouais. Regarde, il fait plus ça, il fait ça. C'est pas faux. Et c'est pas une carte celle-là, c'est vraiment celle-là. Il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu s'arrêter là, mais là, regarde, ça bouge d'une autre façon. Ouais, je tremble surtout, ouais. Est-ce que tu peux. Est-ce que c'est pas. Je sais pas, c'était quoi ta carte? C'était le 10 de cœur. Ah mince. Celle-là? C'est fort. Bon. J'avoue, c'est balèze. Merci. On travaille ensemble, donc un petit remerciement. J'avoue, c'est fort. C'est fort, parce que là, il y a... Pourquoi tu me demandes de m'arrêter là? Bon, j'ai bien compris qu'il n'y a rien dans le pendule. Quoi? Tu ne crois pas? Tu crois pas que c'est un pendule, un vrai? Ah si, c'est un beau pendule. Bon. J'en ai aussi un joli à la maison de pendule. Non. Le tien, il est transparent. Très de plaisanterie, j'avoue, c'est balèze. C'est fort parce que tout ce qui se passe, ça se fait dans mon dos. Comment, t'as quoi comme repère? Mais repère, grave. Comment tu peux... Bah ouais, non, mais c'est... Non, mais là, c'est... Là, il faut que tu me le fasses plusieurs fois. Non, c'est galère à trouver. C'est une beauté exceptionnelle parce que ça change. Cette fois-ci, on a le dos tourné du début jusqu'à la fin. Le jeu est mélangé du début jusqu'à la fin. Le spectateur, sous ce qu'il fait, je ne vois rien. Et pourtant, je suis capable de retrouver Madame Cœur et Monsieur 10 de Cœur. C'est vrai que j'avoue que c'est fort. Hein.
Après, il reste toujours les petits trucs de pour faire des chichis qui vont bien. Je pensais que tu allais me demander mon nombre de départs, et donc peut-être que tu en aurais conclu, on va dire, ouais, forcément la position de quelque chose, mais là, que non, tu me demandes absolument rien. C'est les autres qui font ça. Ouais, c'est pas moi, ça. Moi, je fais pas ça. Non, mais c'est. Non, j'avoue, c'est. Le principe, il est bon. Hein. Donc, t'as dit que c'est pas automatique. Bon, bah, si, hein, c'est automatique, la preuve. Tu crois pas, mais pour moi, c'est rien. Fou, hein. C'est pour ça, la proverbe nul est prophète dans son pays. Si j'avais fait un autre, il m'aurait cru que ça, c'était vrai. Peut-être. Toi, t'arrives, tu dis, non, non, c'est pas. Oui, mais je sais très bien que t'as pas de carte magnétique, que t'as pas de. Oh, le tapis c'est... entièrement pas. Ça existe, hein, ce tour. Hein. Oui, avec. Tu mets juste une carte avant et effectivement, ça bouge au moment où tu passes. Mais là, on peut pas. Je vois bien qu'il n'y a rien de ça et c'est pas le principe du tour. De toute manière, je t'ai bien vu que quand il te l'a fait. Non, j'avoue, c'est balèze. On remercie David. On remercie à moi pour la présentation. Parce qu'après, il faut rajouter les petits chichis pour trouver une belle représentation. Je connais pas le titre, mais je connais le numéro 43, impensable. Il y a bien quelque chose que tu vois, ça c'est sûr. Parce que bon, t'es retourné, mais bon, t'es pas totalement retourné. Non, 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 alors là, je peux être entièrement retourné. C'est pas possible. Je suis entièrement, pour le bien de, pour que tu m'entendes, mais je suis entièrement retourné. Ben moi, la seule chose que, pardon, la caméra, j'ai mis un coup dans le projecteur, la seule chose que je vois, c'est, tu connais mes paquets, pas pourquoi, hein, comment ça fonctionnerait, mais... Je ne vois... Alors, tu vois quand je prends le paquet que je mélange. Je te le dis que c'est pas pour embrouiller, pour te faire croire que je ne vois rien du tout. C'est-à-dire que quand je suis retourné, je connais pas le nombre de paquets, je sais pas le nombre Le nombre, tu m'as dit d'en faire 4. Non mais combien de cartes dans chaque paquet. Tout ce que j'ai fait, le dos tourné, je suis vraiment le dos tourné pour le spectateur et pour les spectateurs, ceux qui vont le prendre, ils feront exactement ça, ils seront entièrement tournés. Ils peuvent être dans une autre pièce s'il faut. Il n'y a aucun souci. Ils sont dans une autre. Voilà, imaginez, vous êtes dans une autre pièce. Vous lui dites ce qu'il faut faire en criant très fort. Il le fait. Quand il revient, le jeu est comme ça. Et vous attaquez le tour avec votre pendule et votre machin. Voilà, vous arrivez une fois que le jeu il est bien rangé, bien propre. Et c'est parti. Donc, ça veut dire que je suis pas là. Quand tu fais tout ça. Moi, je te dis, à part voir ça, c'est impossible. Donc, c'est balèze. Oui, c'est impossible. C'est comme si tu demandais de faire ça. Voilà, ça y est, tu me dis quelle carte t'as choisi. Non mais attends, j'ai fait non, ça. Non mais oui, non mais c'est balèze. Hein. J'ai fait ça à quelqu'un, j'ai dit regarde, j'ai 4 cartes à dos rouge, je fais ça et d'un seul coup il y en a une qui se retourne. Et il m'a dit c'est impossible. J'ai dit oui. Non mais tout à fait. Donc voilà, t'as raison, c'est impossible. Non mais c'est... Pour le profane, c'est impossible. C'est balèze le principe. Il est balèze et il est haut. Alors, il est sur la même lignée que tous les autres, que les 52, 53 et tout, et 42. 43, c'est ça qui me rend le plus fou, parce que je sais que c'est simple. Si tu le fais, c'est que tu fais pas de calcul surhumain, tu fais pas de... Si c'est moi qui le fais, si c'est moi qui le fais, c'est simple. Si c'est Jérôme, c'est légèrement un peu plus dur. Mais c'est ça qui rend fou, parce c'est que... C'est pour que vous puissiez vous... Des principes... Pour arriver quand même à trouver, donc tu as forcément un repère, mais un repère de quoi? C'est pas moi qui l'ai trouvé, donc c'est le plus basalaise, comme je dis, c'est ceux qui l'ont inventé. Non, là franchement, j'avoue, c'est fort. Refais-moi le sans que tu m'expliques pour voir si je trouve à chaque fois. Je refais, on va couper pour pas que ça soit trop long, de toute façon, on fera les mêmes étapes. Ça sert à rien. Mais non, mais justement. Tu veux le refaire vite fait? Je le revois pour voir si j'ai loupé quelque chose. Si je me dis là, ok, c'est bon, j'ai compris, ou là, j'ai pas compris. Vas-y. Tu connais toutes les phases? Je me rappelle pas de toutes les phases. Tu fais 4 tas, tu mélanges d'abord. C'est la question que je... Donc là, je mélange. Je mélange. Donc là, bon, ok. Et là, je peux regarder le jeu. Oui. Non, je vais pas faire 500 milliards de temps, mais bon, ok. Déjà, de manière, même s'il y avait quelque chose, ok, bon, c'est clean. Là, je suis d'accord, tu connais rien. Ensuite Tu fais 4 tas. Bon, je fais 4 tas. Ok. Tu en choisis un, tu comptes le nombre de cartes. Donc j'en choisis. Je suis bien retourné là. Oui, non, tu vois rien, j'en choisis un. Je mélange. Ouais, je mélange. Ok. Et j'aurais dû amener un livre. Et tu donnes le nombre de cartes. Ah oui, c'est vrai. Je compte alors. Voilà, un carton par-dessus dessus. Tu le poses, tu montres à la caméra, tu la retiens bien. Donc ok, donc ça fait ça. Ok, c'est bon. Attends.
Ouais, c'est ça. Tu te rappelles? Tu la marques sur un papier ou non? C'est bon, je me rappelle. Allez. C'est bon. Là, tu prends. Je fais ça avec un deuxième. Ouais, ça, je me rappelle. Papa, tu mets là. Donc, du coup, putain, j'aurais dû prendre un livre ou un DVD. Donc, ça fait ça. Et c'est ce coup-ci, celle-ci. Ok. Dès qu'il y en a un qui rentre, c'est fait. Je lui fais ça à number. C'est fait. C'est bon? Oui, j'ai choisi, j'ai reposé. Il te reste deux paquets, tu les prends, tu les mélanges, tu les mets un sur l'autre. N'importe comment. Ouais, fais comme ça, paf, paf, et c'est bon. Ah. Ah. C'est bon? Non, mais j'en mets. Un peu à droite, un peu à gauche. D'accord, donc je peux faire ça. Tu fais ce que tu veux. Ok. Tu retournes un paquet, tu fais mélange en queue d'arbre et tu pousses. Je retourne un paquet, est-ce que si je vais faire ça? C'est bon? Ok. Bon, je considère que tu as sonné. Allez. Ouais, allez, c'est bon. Bim. Coupe. Okay. Coupe, étale. Bon, je vais pas prendre. Non, c'est. Ouais, c'est. Ça me paraît exceptionnel. Je vais pas prendre mon pendule. Hein. Ça me paraît exceptionnel. Ouais, c'est ça. Quoi, c'est ça? Ouais, je vois pas comment c'est possible. C'est sûr? Ouais, j'ai sûr, ma foi. Je suis allé assez vite ou pas? C'est fort. Papa! Eh ben, je vois pas comment c'est possible. Excuse-moi, je me suis pas servi de toi, mais ça va aller. La prochaine fois, je jouerai avec toi. Je vois pas comment c'est possible. Mais c'était pour le bien de l'humanité, mon ami. Pourquoi là? Qu'est-ce que tu prends comme repère? Tu vois rien? Je m'aime. Enfin, même que tu vois une carte, de toute manière, ça explique pas où aller, je l'ai mélangé. Non, mais je vois rien, moi. Non, mais je me dis, même si tu vois quelque chose, parce que forcément, tu regardes bien quelque chose, hein. Mais pourquoi? Mais comment veux-tu que je regarde, moi? J'ai zéro repère. Ah oui, non, mais bon, ça va, on va pas me la faire à moi. Mais... mais qu'est-ce que tu regardes pour savoir que c'est ces deux cartes? Mais je fais comme ça. Non, c'est fort. Franchement, c'est fort. Je le refasse, regarde. Hop. Et après, celle-là, c'était comme ça. Hop. Bon, voilà. Amusez-vous bien. Régalez-vous bien. Le plus important, c'est que vous regardez les tours et à la fin, vous mettez j'aime. Et celui qui n'aime pas, parce que c'est toujours le même, vous rajoutez j'aime pas, n'oubliez pas. Voilà. Et si vous n'aimez pas, sachez que nous, on se régale toujours à faire nos petits tours entre nous. Voilà. Non, j'avoue. Parce qu'on peut, on peut ne pas plaire à certains. Hein. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs. C'est vrai que j'ai une tête de con. Ça, ça, je vous l'avoue, mais c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, je ne plais pas à tout le monde. Et pour ceux que vous pensez que je vous plais, disons qu'on vous régale avec nos tours, parce que c'est quand même des recherches, un travail, du temps. Hein, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas les commandes. Eh ben, si ça vous plaît tout ça, mettez des j'aime et ça nous fait plaisir. Voilà, on dit au revoir. Ben ouais, je vais réfléchir parce que... Je vais chercher mon fils à l'école. Je vous avoue que j'ai quand même des idées à chaque fois, puisqu'on commence à connaître quand même des principes, mais là... Je dois aller chercher mon fils à ouais, l'école. Là c'est balèze. Écoute, si tu veux t'entraîner... Non, bravo. Regarde, je te laisse ça, la petite clochette. Tu vas me le refaire au ralenti pour voir. Et moi je pars à l'école vite fait. Tu vas me le refaire au ralenti. On coupe ? Allez, au revoir.